Prière préparatoire. Ô divin Jésus, notre aimable Sauveur, nous voici réunis pour vous suivre en esprit dans la voie douloureuse du calvaire. Donnez-nous de compatir à vos souffrances, mettez dans nos cœurs des sentiments de vive contrition. Accordez-nous de gagner pour les âmes du purgatoire les indulgences attachées à la pratique de ce pieux exercice. Rien ne saurait nous donner une plus vive idée de l'amour dont votre divin cœur déborde que les angoisses, les outrages, les tortures qui vous abreuvèrent sur la route du calvaire et sur la croix. Pénétrez-nous profondément du sentiment de ces immenses douleurs afin qu'à cette école de votre cœur adorable, nous apprenions à tout souffrir plutôt que d'avoir jamais le malheur de vous offenser. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous vous adorons, Seigneur Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. C'est pour expier nos péchés que notre Seigneur Jésus-Christ voulut être condamné à mort. Il était venu sur la terre avant de mourir pour nous. Il avait toujours soupiré après l'instant de son supplice. Il eut souffert la mort avec joie pour sauver une seule âme, pour effacer un seul de nos péchés. Au cœur de Jésus, moi aussi je suis condamné à la mort et c'est en punition de mes fautes. Faites que j'accepte avec soumission cet arrêt de la justice divine. Dès aujourd'hui, je vous fais le sacrifice de ma vie en esprit d'expiation. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Deuxième station. Jésus est chargé sur sa croix. Nous vous adorons, Seigneur Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Avant de mourir sur la croix, Jésus doit la porter sur ses épaules. C'est pour nous enseigner la patience dans les traverses de la vie. Si quelqu'un veut être mon disciple, avait-il dit précédemment, qu'il prenne sa croix tous les jours et qu'il me suive. Cœur sacré de Jésus, donnez-moi l'amour de la souffrance. Donnez-moi de porter saintement ma croix sur la terre afin de vous posséder et de vous aimer à jamais dans le ciel. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous vous adorons, Seigneur Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Notre divin Sauveur avait pris toutes nos faiblesses, à l'exception du péché. Il tombe sous le poids de sa croix afin de nous montrer ce qu'il souffre pour notre amour, mais il se relève aussitôt en offrant à son Père cette humiliation pour le salut des âmes faibles qui ne veulent point connaître le prix de la souffrance. Au cœur adorable de Jésus, quand nous aurons le malheur de nous décourager, faites qu'aussitôt nous implorions de votre bonté des forces nouvelles
afin de mieux souffrir et de vous imiter plus fidèlement. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Quatrième station, Jésus rencontre sa très sainte mère. Nous vous adorons, Seigneur Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Jésus-Christ devait éprouver tous les genres de souffrances, et la Sainte Vierge participait à toutes les souffrances de son divin Fils. Il marchait sous sa croix comme un criminel allant au dernier supplice. Tout à coup, il rencontre le regard de sa sainte mère aux douleurs, aux désolations. Jésus, pourtant, ne s'arrête pas. Il continue son douloureux itinéraire. La Sainte Vierge est consternée, accablée par la douleur, mais ne profère aucune plainte. « Mon Dieu, dit-elle, au lieu de ces larmes, s'il doit en être ainsi, que votre sainte volonté soit faite. Cœur de Jésus, cœur de Marie, si vous voulez appeler à partager vos douleurs, faites-nous la grâce de les supporter chrétiennement. » Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Cinquième station, Simon le Cyrénien aide Jésus à porter sa croix. Nous vous adorons, Seigneur Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Simon le Cyrénéen était un étranger. Il vaquait à ses affaires, il rencontra Jésus sans s'inquiéter de lui porter secours. Mais on lui mit de force la croix sur les épaules et bientôt il aima le divin Rédempteur. Il suivit l'enseignement des apôtres et connut les inappréciables bienfaits de la vie chrétienne. Au cœur de Jésus qui permettait souvent qu'on nous fasse souffrir, mais qui voulait par là nous rendre meilleurs, accordez-nous de recevoir sans murmurer les souffrances qu'on nous inflige, de n'en chercher la consolation qu'en vous seul et de les faire tourner à notre sanctification. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Sixième station, Sainte Véronique essuie le visage de notre Seigneur. Nous vous adorons, Seigneur Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix.
C'était un acte d'amour bien héroïque et une bien touchante réparation des outrages que l'on prodiguait à Jésus. Sainte Véronique en fut divinement récompensée. Notre Seigneur imprima les traits de son visage sur le linge qu'elle lui présentait et lui laissa ce portrait fidèle comme un témoignage de sa reconnaissance. Cœur sacré de Jésus, faites-moi la grâce de protester par notre piété contre les blasphèmes des impies, et nous pourrons espérer de voir l'image de vos divines perfections se reproduire dans nos âmes. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Septième station. Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous vous adorons, Seigneur Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Les âmes les plus parfaites ne sont pas à l'abri des attaques du démon. Les prières et les bonnes œuvres que nous faisons, les sacrements que nous recevons, les vertus que nous pratiquons, ne suffisent pas à nous en préserver absolument. Sans la vigilance et l'humilité, nous sommes toujours exposés à retomber dans nos anciennes fautes. C'est ce que Jésus-Christ a voulu nous apprendre, et ce sont ces rechutes qu'il a voulu expier en tombant pour la deuxième fois. Cœur adorable de Jésus, gravez cet enseignement dans nos cœurs. Accordez-nous la défiance de nous-mêmes, la vigilance, l'humilité, et préservez-nous ainsi du malheur de retomber dans nos anciennes fautes. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Huitième station. Jésus console les femmes de Jérusalem. Nous vous adorons, Seigneur Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Nous devons déplorer les tourments que le péché a fait subir à notre Seigneur Jésus-Christ, mais il ne faut pas oublier les tourments plus affreux que nos péchés appellent sur nos têtes. Car, si le bois vert est ainsi traité, selon la parole du Sauveur, serait-ce du bois sec? C'est ce qu'il rappelle aux femmes de Jérusalem et ce que nous devons avoir soin de nous rappeler à nous-mêmes. Veillons donc à ne jamais séparer ces deux choses, la compassion envers notre Seigneur et la pénitence pour nos péchés. Ô Jésus, que votre cœur généreux ravive en nous le souvenir de nos fautes, qui nous donne des cœurs pénitents. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il.
Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. 9e station, Jésus tombe pour la 3e fois. Nous vous adorons, Seigneur Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Bien des pécheurs tomberont une dernière fois pour ne pas se relever. Ils ne feront point pénitence, ils mourront sans demander pardon à Dieu, et ils se perdront pour l'éternité. Le cœur de l'homme, Dieu, en éprouve une douleur inexprimable, et, afin de multiplier sur eux les grâces de conversion, il tombe une 3e fois, la face contre terre. Qu'il vous plaise, ô Jésus, de nous inspirer une salutaire horreur de nos fautes, et l'ardent désir d'une sincère conversion, afin que nous mourions dans votre amour. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous vous adorons, Seigneur Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. C'est ici la circonstance la plus ignominieuse de la passion de Jésus-Christ. La souffrance qu'il éprouve, lui, paraît douce en comparaison de ce nouveau tourment auquel il préfère la mort la plus affreuse. Mais il devait épuiser jusqu'à la lie le calice d'amertume. Il devait expier tous nos péchés, même les plus humiliants. Cœur de Jésus, source de toute pureté, nous vous en supplions, pardonnez-nous les péchés que nous avons commis contre la sainte innocence, accordez-nous la pureté de cœur, afin que nous méritions de vous posséder dans le ciel avec les anges et la reine des anges. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. 11e station, Jésus est attaché sur la croix. Nous vous adorons, Seigneur Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Prêtons l'oreille au bruit de ces marteaux qui enfoncent les clous dans la chair de notre Sauveur. Considérons ce sang qui coule à grands flots, ces membres qui frémissent, ce corps suspendu par les plaies des pieds et des mains, cette poitrine haletante et torturée par la soif la plus horrible. Voilà notre ouvrage. Voilà le fruit de nos péchés. Toutes les fois que nous offensons Dieu, nous crucifions Jésus-Christ. Ô Jésus, victime adorable, nous vous en supplions par les souffrances de votre crucifiement que votre cœur daigne nous faire sentir si vivement l'horreur du péché que jamais nous ne puissions le commettre. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. 12e station, Jésus meurt sur la croix. Nous vous adorons, Seigneur Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Considérons la mort du Saint des Saints, et à son exemple, apprenons à mourir. Il prie pour ses bourreaux, il promet sa gloire au bon larron, il recommande sa mère aux disciples bien-aimés, il remet son âme entre les mains de Dieu, il annonce que tout est consommé, et il rend le dernier soupir. Ô Jésus, mourant pour nous sauver, puisse nos derniers instants être semblables aux vôtres, que nous pardonnions à nos ennemis, que nous fassions à Dieu le sacrifice de notre vie, et que nous puissions ajouter « Tout est consommé, j'ai rempli ma mission sur la terre, j'espère que le cœur de mon Jésus me recevra dans sa miséricorde. Qu'au souvenir de votre mort, je meurs aussi chaque jour au péché et à moi-même. » Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. 13e station, Jésus est détaché de la croix et remis à sa mère. Nous vous adorons, Seigneur Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. À la naissance du Fils de Dieu, la Sainte Vierge l'avait serré dans ses bras avec le ravissement de la plus ineffable douceur. Au jour de sa mort, elle le serre dans ses bras avec le déchirement de la plus cruelle amertume. Quel changement ! Et pourtant, il est toujours le Fils de Dieu, elle est toujours sa mère, et dans 3 jours, elle le verra glorieux. Apprenons de là à ne jamais désespérer quand la main de Dieu s'appesantit sur nous. Ô Marie, Mère des douleurs, qui recevez dans vos bras le corps inanimé de Jésus, obtenez-nous la compassion pour les souffrances de nos frères et, pour nous-mêmes, une confiance en Dieu que rien ne puisse ébranler. Soyez avec le Sacré-Cœur le gage de notre persévérance. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. 14e station, Jésus est déposé dans le tombeau. Nous vous adorons, Seigneur Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Ce tombeau est donné à Jésus. Durant sa vie, le Fils de Dieu n'avait pas où reposer sa tête. Après sa mort, on lui fait le don d'un sépulcre. Apprenons par là l'excellence de la pauvreté. C'est un sépulcre neuf où nul n'a jamais été enseveli. Apprenons que nos cœurs doivent être purs de tout péché pour recevoir le corps de Jésus-Christ dans la Sainte Communion. Enfin, notre Seigneur y reprend une nouvelle vie. N'oublions pas qu'après la Sainte Communion, il veut revivre en nous par nos bonnes œuvres.
Ô cœur sacré de Jésus, nous vous offrons nos cœurs, vous suppliant de les sanctifier pour qu'ils soient moins indignes de vous lorsque vous voudrez bien y descendre par la Sainte Communion. Daignez les purifier, les embraser de votre divine charité. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Nous vous adorons, Seigneur Jésus, et nous vous bénissons parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions pour les fidèles défunts. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel et que la lumière éternelle brille pour eux. Ô divin Jésus, recevez nos hommages en reconnaissance de ce que vous avez souffert pour nous dans votre sainte passion. Accordez-nous de pleurer nos fautes, de pratiquer vos vertus, de souffrir en union avec votre cœur et de réparer les outrages dont on l'abreuve. Nous voulons nous souvenir toujours que vous avez dit « Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il se renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Oui, Seigneur, avec votre grâce, nous vous suivrons courageusement dans la voie de la croix jusqu'à notre dernier soupir. Ô Marie, Mère de Jésus et notre Mère à tous, puisque nous sommes les frères de Jésus, obtenez-nous de penser comme lui, de souffrir comme lui, de vivre et de mourir comme lui, afin de régner avec lui et avec vous dans la Jérusalem céleste. Ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Ayez pitié de nous, Seigneur, ayez pitié de nous. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il.